Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en moins de 3 minutes. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction médiane. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la médiane? La médiane, en fait, c'est la valeur parmi une liste de valeurs qui est la plus au milieu. C'est-à-dire que la moitié des valeurs va être supérieure à cette valeur-là et l'autre moitié des valeurs, toujours dans la liste, va être inférieure à cette valeur-là. Ça ressemble un petit peu à la moyenne. Mais il y a quelque chose dans la médiane qui fait que c'est peut-être plus intéressant dans certains cas. Voilà un cas où c'est intéressant. Dans notre cas, on a une liste de temps qui vont à peu près entre 1h12 et 2h à peu près. Et eh bien, on a 6h54. Et du coup, si on calcule la moyenne, on obtient 1h57. Mais c'est beaucoup faussé par cette valeur-là, le 6h54, qui tire beaucoup trop la moyenne vers le haut. Et du coup, pour s'affranchir de cette donnée-là, on va plutôt utiliser la fonction médiane. Et donc, en termes de structure, c'est ce qu'il y a de plus simple quand il s'agit d'Excel. Eh bien, on lui donne la liste de nombres, on la sélectionne, on valide et on obtient la médiane qui est un bon 12 minutes, presque 13 minutes avant la moyenne. Donc voilà pour la fonction médiane. On se retrouve dans une vidéo suivante pour découvrir d'autres fonctions ou des outils.